nous pas qu'à refuser dialogue. Nous pas qu'à refuser dialogue. Parce que dialogue là, c'est lui qui va permettre que nous régler le problème, justement, et bien nous allons dire un monde civilisé. Eh bien, dans ce sens, ça, 13 juin, ça lié. 13 juin, c'est la fin du mandat du président privé qui avait un mandat. Il n'est pas un président élu, président il y a 5 ans, comme président provisoire, il y a 120 jours. Donc, si fin mandat a fini, car on dialogue dans la société, pourrait comment, justement, eh bien, remplacer le président privé. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le président privé a gagné un mandat pour l'exécuter. Et le mandat, nous arrivons à la fin de le constater. C'est l'Assemblée nationale qui devait se réunir le cas échéant. Mais l'Assemblée nationale, là, justement, eh bien, s'il n'a pas décidé le 13 juin, le constat sera fait que le président privé n'a plus de mandat. Donc, dans le sénateur, on envisage le dialogue là, 7, mais c'est sans privé, pas avec privé. Ce n'est pas moi qui ai signé l'accord là. C'est l'accord là qui dit que le président privé a gagné 120 jours. Et 120 jours, elle a commencé le 14 février, elle a fini le 13 juin 2006. Mais est-ce que le dialogue là a fait autour du prolongement mandat du président privé? Est-ce que le café autour de ça? Le dialogue là, c'est pour nous qui a gagné un président élu. Dialogue là, il n'y a pas qu'à faire. Que l'on veut ou non, nous ne pouvons pas avancer sans ne pas considérer le rapport commission d'évaluation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sans privé ou avec les recommandations de la commission? Non, l'ordre, est-ce que le rapport commission dit président privé doit être? Hein? Non, mais on va parler de débats différents. Le rapport commission a parlé d'élection, m'a parlé de président privé qui a un mandat. C'est ça, c'est la c'est pas la majorité qui a décidé pour mettre. Retirer le président privé. Pagon, majorité tout le dit pour qu'il bélé. Il s'en a fait dans son sens. Très bien. Le fait que Pagon majorité qui a décidé, eh bien, nous arrivons dans une situation côté nous constater la fin du mandat. Parce que ce n'est pas majorité à nous qui a le bal. Et bon majorité qui a le mandat 120 jours déjà. Non, bon majorité qui a le mandat 120 jours. C'est mandat ça nous constater qu'il a fini. Qu'on y a. Si bon majorité qui a renouvelé le mandat, très bien. Si la majorité qui a infirmé, qui dit que jeudi a mandat fini, très bien. Mais puisque la majorité, ça, devant qui fait nous retrouver, devant la fin des 120 jours. Non, à quoi tu précises, sénateur, l'Assemblée nationale a gagné pour constater. Et l'Assemblée nationale a gagné pour constater le cas échéant. OK, il a gagné pour constater. Mais ou bien deux éléments là, l'Assemblée nationale là a constaté fait mandat pour qu'elle décide, mais s'il a impossibilité de constater, nous constater la fin des 120 jours. C'est à faire nous dire qu'il faut un dialogue. Nous dit qu'il y a un dialogue parce que le dialogue là c'est pour mener nous à. On veut que ça soit un nouveau président provisoire là, c'est pour jusqu'à faire élection pour un président élu. Dès que nous arrivons dans la situation, il ne faut pas réaliser. Il faut nous faire consensus pour nous joindre. Hein? Possibilité pour nous réaliser l'élection. Et sénateur, si 13 arrive, sénateur, nous pas arrivé, nous entendons, et si en association, nous pas arrivé, et que plusieurs sont capables de faire le pas faire, il y a une majorité dans le Sénat, il faut qu'il y ait un quorum dans le Sénat, il faut qu'il y ait un quorum dans la Chambre des députés. Si toutefois l'Assemblée nationale n'a pas fait, dans quelle situation on a? On prend un cas de figure que l'Assemblée nationale l'a décidé. Moi, je prends l'autre cas de figure, 120 jours à finir. Mais oui. Ça va jouer fini. Dans l'intervalle. Mais est-ce qu'elle raconte est-ce qu'elle a quitté clé en bas est-ce qu'elle a quitté clé en bas hein? Est-ce qu'elle a quitté clé en bas la notion de quitter clé en bas porte. C'est ici il n'y a pas les pouvoirs debout. Il y a les pouvoirs debout, le Parlement, la Cour de cassation, qui sont là. Le premier ministre est là.